Pour aborder la clé de fa, le principe et les exercices sont toujours les mêmes. Dans une première phase, vous allez mémoriser des notes repères hein, qu'il va falloir apprendre par cœur. Donc vous allez repérer justement la position géographique sur la portée. Puis après ça, bien, vous aurez des exercices de lecture contenant ces fameuses notes repères. Et après, vous travaillerez des notes placées au-dessus ou en dessous de ces notes repères que vous connaissez déjà. Hein. Alors, un petit mot complémentaire pour aborder la correspondance entre la clé de sol et la clé de fa. Vous avez une note que l'on appelle Do4, que vous voyez apparaître à l'écran, écrite en clé de sol et écrite également en clé de fa. Donc elle se trouve évidemment au-dessus de la portée en clé de fa et en dessous de la portée en clé de sol. Et c'est exactement la même note jouée à la même hauteur. Donc cette note est strictement identique. Donc voilà, vous allez voir dans les vidéos suivantes d'abord des notes repères à mémoriser, puis après des exercices de lecture. Nous avons donc défini à partir de la pulsation la noire et nous avons divisé cette noire en deux pour obtenir des croches. Donc il y a deux croches dans une noire, hein, avec des doubles croches. On a défini une division de ce temps, de cette noire, en quatre parties égales, hein. Donc nous avons fait à chaque fois une division binaire. Maintenant, avec le triolet de croches, on va diviser ce temps par trois. Donc c'est une division ternaire et c'est un peu moins naturel pour le musicien de diviser par 3 que de diviser par 2 ou de diviser par 4. Hein. Donc nous allons vous présenter à l'écran une mesure avec deux noirs pour bien installer le tempo et des deux triolets de croches. Et vous allez écouter comment cela sonne. 1, 2, 3. Voyez que le balancement est légèrement différent, ternaire donc, et qu'il faut apprendre à bien le maîtriser. Alors pour compliquer un peu tout ça, comparons le jeu binaire et le jeu ternaire. Donc nous allons jouer une mesure de noir simplement pour bien installer le temps. Après nous allons jouer une mesure avec que des croches, donc 8 croches dans la mesure. Et après nous allons jouer une mesure avec des triolets de croches pour bien sentir la différence. 1, 2, 3. 1 et 2 et 3 et 4 et 1, 2.
Hein, vous sentez bien le passage au binaire et au ternaire. Donc maintenant, essayons de jouer des rythmes utilisant et mélangeant noir et triolet de croche dans une première phase. 1, 2, 3. Maintenant, allons beaucoup plus loin et mélangeons noir, croche et triolet de croche. 1, 2, 4. Voyez que le passage des croches au triolet de croche n'est pas complètement naturel et qu'il faut vraiment apprendre à le maîtriser. Alors, vous vous souvenez de la façon dont nous avons défini la mesure à 4 temps? Nous sommes partis d'une série de pulsations que l'on a regroupées hein, par groupe de 4, hein, comme ceci. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Et nous avons ainsi défini des mesures à 4 temps. Bah, les mesures à 3 temps, ça va être très simple. On va rassembler ces pulsations par groupe de 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Donc, dans une mesure à 3 temps, il y aura donc 3 temps, l'unité de temps sera la noire, et il y aura donc 3 noirs par mesure. Hein. Donc, tout cela est très simple à comprendre. Pour jouer, ben, nous allons jouer déjà une série de noirs à 3 temps. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Voilà. Alors, les petites différences par rapport à la mesure à 4 temps, ou évidemment le nombre de temps par mesure, c'est évidemment la notion de temps fort et de temps faible. Hein. Dans une mesure à 4 temps, les temps forts sont les 1 et 3, les temps faibles, les 2 et 4. Là, ici, notre temps fort sera le 1. Hein, donc, on va faire comme ceci. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Et évidemment, les temps faibles seront les temps 2 et 3. Ce qui va donner un balancement un petit peu décalé, caractéristique de cette mesure à 3 temps, et notamment de la valse. Hein. Donc, essayons maintenant de jouer des rythmes avec des noirs et des croches en 3 temps. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Voilà, donc il faut évidemment sentir cette notion de mesure à 3 temps, sentir cette notion de temps fort sur le premier temps, cette espèce de réponse donnée par les temps 2 et 3 qui sont les temps faibles. Donc le décalage est un peu différent, mais sinon les rythmes sont très faciles à appréhender dans une mesure à 3 temps. Alors, voyons les différents autres rythmes de double croche que l'on peut mettre en place. Alors, vous vous souvenez des doubles croches? Il y a donc 4 doubles croches dans un temps que l'on va jouer comme ceci. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1. Bien. Alors, conservons ces 4 chiffres, 1, 2, 3, 4, et amusons-nous à enlever, par exemple, une double croche. Donc, par exemple, on va enlever la deuxième double croche. Et on n'aura plus que 1, 3, 4, 1, 3, 4, 1. On y va. 2, 3, 4, 1, 3, 4, 1, 3, 4, 1, 3, 4, 1, etc. Amusons-nous à enlever par exemple la troisième double croche. On aura 1, 2, 4. Donc 1, 2, 4, 1. On y va. 3, 4, 1, 2, 4, 1, 2, 4, 1, 2, 4, 1, 2, etc. On peut choisir d'enlever encore la dernière double croche par exemple pour avoir 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Donc essayez toutes les combinaisons possibles, amusez-vous comme ça à enlever au moins une double croche. On peut aussi choisir d'enlever deux doubles croches, de conserver par exemple que la deuxième et la troisième.
2, 3, 4, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3. Ou alors, ne conserver que la première et la quatrième qui donnent naissance à un rythme qu'on appelle rythme de marche, c'est-à-dire une croche pointée avec une double. Voilà comment il est écrit et voilà comment on le joue. 1, 2, 3, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1. Et je fais évidemment durer la première note puisqu'il s'agit d'une croche pointée. Donc voilà des combinaisons nouvelles très intéressantes. Enfin, on va terminer avec simplement le jeu d'une seule double croche. Hein. Par exemple, les bassistes ont besoin de travailler ce genre d'exercice, mais tous les musiciens également. Donc par exemple, on va jouer que la deuxième double croche. 1, 2, 2, 2, comme C'est ceci. parti, c'est 1, beau. 2, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 2, 2, 2, 2. Jouons que la quatrième double croche, par exemple. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 4, 4. 4, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Donc n'hésitez pas à éventuellement penser intérieurement 1, 2, 3, 4. N'hésitez pas non plus à le chanter et à accentuer simplement donc la note que vous souhaitez mettre en valeur ou les notes que vous souhaitez mettre en valeur. Donc voilà comment on construit des rythmes assez complexes à partir du rythme en double croche. Nous allons parler maintenant de la mesure composée. Alors prenons par exemple comme exemple la mesure 6-8. Alors 6-8, le chiffre du bas 8 signifie qu'on a fait une référence à la croche et donc que l'on a 6 croches dans la mesure. Hein, comme vous le voyez à l'écran, il y a 6 croches dans la mesure. Mais la particularité de la mesure composée, c'est que la séparation de cette mesure est différente. En effet, l'unité de temps cette fois-ci n'est pas la noire mais la noire pointée. Donc en fait, la mesure 6-8 est une mesure à deux temps. Alors voilà, jouons ces croches. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. D'accord? On joue bien ces croches dans la même mesure, mais on va les accentuer comme ceci. On va accentuer évidemment les temps 1 et les temps 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc l'unité de temps est celle-ci. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Etc. C'est le principe de la mesure composée. Alors, si l'on prend notre mesure composée, qui est la 9-8, même principe, nous aurons cette fois-ci 9 croches dans la mesure, séparées par un groupe de 3. Hein, donc c'est une mesure à 3 temps. Donc ça va donner ça. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, pa, 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 pa. Avec ce genre de pulsation hein, très, très représentatif de la musique africaine, par exemple. La mesure 12-8, eh ben, c'est une mesure à avec 12 croches dans la mesure, mais une mesure à 4 temps. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, tapis, papa, 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 papa. Voilà la pulsation, hein, l'ambiance ternaire qui se dégage de ces mesures composées. Hein. Donc retenez bien ça, hein, que l'unité de temps est cette fois-ci de nous noir pointé, et ce qui la différencie des mesures simples que sont les mesures 4, 4, 2, 4, etc. Nous avons donc déjà appris à construire une gamme majeure en faisant succéder ton, ton, demi-ton, comme nous le donne la structure de la gamme majeure. Hein. Donc, reprenons par exemple la gamme de sol majeur. On a un dièse dans cette gamme qui est fa dièse. Construisons la gamme de ré majeur. On a deux dièses dans cette gamme qui sont fa dièse et do dièse. Hein. Vous remarquez que lorsque vous avez un dièse dans une gamme, eh bien, ça sera toujours un fa. Lorsque vous en avez deux, ça sera toujours fa et do. Lorsque vous en aurez trois, ça sera toujours fa, do et sol. Hein. Et vous avez ainsi défini l'ordre des dièses, hein, qui est le suivant. Donc vous le voyez à l'écran, fa, do, sol, ré, la, mi, si. Donc
quelque chose à mémoriser. Vous pouvez l'obtenir justement en écrivant toutes les gammes majeures et en voyant de quel dièse sont composées ces gammes majeures. Alors, ce qui est intéressant pour les musiciens, c'est de savoir, lorsque vous avez une armure à la clé avec des dièses, savoir dans quelle gamme majeure on se trouve, hein. Donc, c'est assez facile à comprendre, hein. Si par exemple vous avez deux dièses à la clé, Fa et Do, comme vous voyez à l'écran, bah, vous prenez le dernier dièse, Do dièse, et vous le montez d'un demi-ton pour obtenir Ré. Et vous êtes donc en Ré majeur, hein. Si vous avez trois dièses à la clé, Fa, Do, Sol, Sol dièse, le dernier dièse, vous prenez le dernier, vous montez d'un demi-ton, vous tombez sur La, vous êtes en La majeur. C'est assez facile, hein. Alors pour les bémols, c'est un peu l'inverse. Donc par exemple, nous avons construit la gamme de Fa majeur, où il y avait donc, comme vous le voyez à l'écran, un bémol, c'est-à-dire Si bémol. Nous pouvons construire la gamme de Si bémol majeur, où là vous avez deux bémols, Si bémol et Mi bémol, et ainsi de suite. En continuant ce travail de construction de gamme, vous allez obtenir l'ordre des bémols, Si, Mi, La, Ré, Sol, Do, Fa, qu'il faut évidemment mémoriser une fois pour toutes, hein. Alors là, lorsque vous avez une armure avec des bémols, pour trouver la gamme majeure correspondante, la logique sera légèrement différente. Ainsi, par exemple, vous avez trois bémols à la clé, ce sera donc Si, Mi, La. Dans ce cas-là, vous prenez l'avant-dernier bémol, Si, Mi, La, donc c'est Mi, vous êtes en Mi bémol majeur, tout simplement. Si vous avez cinq bémols à la clé, Si, Mi, La, Ré, Sol, Si, Mi, La, Ré, vous prenez Ré bémol, qui est l'avant-dernier bémol dans cette armure, et vous êtes en Ré bémol majeur. Donc voilà, tout ça est assez facile à comprendre. Il faut mémoriser ces notions, ordre des dièses, ordre des bémols. Voyons maintenant les gammes mineures. Alors reprenons la gamme de Do majeur que vous voyez à l'écran et jouons cette succession de notes en commençant par la sixième note, c'est-à-dire la note La. On obtient la gamme de La mineur naturel. Pourquoi mineur? Parce que vous voyez bien que entre La et Do, vous avez une tierce mineure, hein. Donc on obtient une sonorité mineure en jouant cette gamme, cette succession de sept notes, hein. Donc cette gamme s'appelle La mineur naturel. On peut modifier une note pour obtenir une autre gamme, hein. Donc si on prend cette septième note qui est le Sol dans cette gamme, et si on l'augmente d'un demi-ton pour jouer un Sol dièse, on obtient la gamme de La mineur harmonique, comme ceci. Vous voyez qu'elle a un caractère mineur peut-être un petit peu plus prononcé. Alors mémorisez bien la structure de la gamme La mineur naturel et la structure, c'est-à-dire les intervalles qui constituent la gamme de La mineur harmonique. On peut également définir la gamme mineure mélodique en modifiant quelque peu ces gammes. Alors on commence toujours par les mêmes notes, La, Si, Do, Ré, Mi. Et pour obtenir la gamme mineure qu'on appelle mélodique, on monte sur la sixte, Fa dièse, sur la septième majeure, Sol dièse et La, hein. Donc on obtient La mineur mélodique. Donc mémorisez bien ces trois gammes, comment elles sont construites en partant de la sixième note de la gamme majeure correspondante, et mémorisez donc bien la structure de ces gammes, hein. Alors un autre exemple maintenant, commençons par Sol, Sol majeur, avec un Fa dièse caractéristique, hein. Prenons la sixième note de cette gamme et jouons ces sept notes en commençant par Mi, justement, la sixième note. On obtient Mi mineur naturel, hein, donc dont voici la structure, hein. Pour obtenir la gamme mineure harmonique, on augmente la septième note d'un demi-ton. Au lieu de jouer Ré, on joue Ré dièse. Et on obtient cette gamme-là. Et pour obtenir la gamme de Mi mineur mélodique, on va jouer donc toujours les cinq premières notes identiques aux trois gammes. Et on jouera après une sixte, Do dièse, une septième majeure, Ré dièse, pour revenir sur la tonique Mi. Voilà comment sont construites les trois gammes mineures qui auront un rôle particulier chacune, hein. Donc, mémorisez bien la gamme majeure et les gammes mineures correspondantes, hein, donc Do et La mineur, Sol majeur et les gammes de Mi mineur. Mémorisez bien les différences entre les gammes mineures harmoniques, naturelles et mélodiques, hein. Mémorisez leur structure surtout pour bien comprendre comment fonctionnent ces gammes mineures. Alors, nous avons déjà vu comment trouver la tonalité majeure d'un morceau lorsque l'on a une armure à la clé, hein, donc des dièses ou des bémols à la clé. Tout cela est assez simple. Très souvent, le musicien compose, improvise ou compose une petite ligne mélodique et il voudrait savoir assez rapidement dans quelle tonalité il se trouve, majeur ou mineur. Alors, c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Donc, prenons une première ligne mélodique. Voilà,
Bon, très simple évidemment. Alors, qu'est-ce que l'on voit ici? On voit d'abord que la sonorité générale du morceau est plutôt majeure, hein. On voit qu'on termine par une note qui est do. On voit qu'il n'y a pas de dièse ou de bémol, ni à la clé bien évidemment, et encore moins dans la ligne mélodique. Bon, évidemment, vous supposez bien sûr que nous sommes en do majeur et c'est exactement le cas. Alors, on ne commence pas forcément par do. D'ailleurs, les lignes mélodiques ne commencent pas forcément par do, mais vous voyez que dès la troisième note, on repose sur le do pour développer après la ligne mélodique et on termine par do. Il n'est pas non plus nécessaire systématiquement de terminer par do, mais c'est une présomption pour penser qu'on est évidemment en do majeur, hein. Alors écoutez bien cette ligne mélodique, hein. Elle a une coloration mineure, hein. C'est clair, on entend vraiment une sonorité mineure en jouant cette ligne mélodique. Regardons les altérations à la clé. On a un sol dièse qui apparaît comme ça. Si nous prenons l'ordre des dièses, fa, do, sol, normalement on devrait avoir aussi un fa dièse et un do dièse. Regardons la ligne mélodique, on a un fa bécard, un fa naturel, et deux fois. Donc visiblement, ce sol dièse est plutôt un accident qu'une logique correspondant à l'ordre des dièses, hein. On remarque en plus que l'on termine par un la, par une octave en plus. Donc, très souvent, évidemment, il faut penser qu'on a affaire ici à une gamme mineure avec une note sensible correspondante. Donc, évidemment, là, si vous avez mémorisé les différentes gammes mineures, vous pensez à juste titre que vous êtes en la mineur harmonique, hein, qui contient justement cette fameuse note sensible, c'est-à-dire la septième note de cette gamme, en l'occurrence ici sol dièse, et que le sol dièse, puisque l'on n'a pas de do ou de fa dièse, hein. Donc ici, nous sommes en la mineur. Nouvelle ligne mélodique ici. Écoutez bien. La sonorité est plutôt majeure ici, hein. Regardons les altérations que nous avons dans la ligne mélodique. On a un fa dièse, un do dièse, fa do. Donc do dièse qui sont justement les deux premiers dièses de l'ordre des dièses. Donc tout cela est très cohérent. On termine par un ré. Et il se trouve que dans la gamme de ré majeur, on a do dièse, fa dièse et do dièse. Donc évidemment, la sonorité de la ligne mélodique ici, la composition de ces altérations, nous tend à penser que nous sommes évidemment en ré majeur, hein. Nouvelle mélodie. Je rejoue. Bon, la sonorité est là clairement mineure, hein. Donc on a quoi comme altération? On a un fa dièse et un ré dièse. Bon, ce ne sont pas deux dièses qui se suivent dans l'ordre des dièses, fa do sol ré la mi si, hein. On a une tonalité mineure, on termine par un mi. Bien, on peut déjà voir ce que nous donne la gamme de mi mineur harmonique, hein. Et dans cette gamme, comme vous voyez apparaître à l'écran, vous avez effectivement un ré dièse et vous avez aussi un fa dièse, hein. Donc ici, évidemment, nous sommes en mi mineur et mi mineur harmonique en l'occurrence, hein. Ligne mélodique cette fois-ci avec des bémols et un petit dièse qui apparaît, hein. La sonorité générale est plutôt majeure, non? Sonorité est plutôt majeure. On a un si bémol qui apparaît plusieurs fois. On a l'impression qu'on s'appuie un peu sur cette note-là. Mais on ne comprend pas trop ce qui se passe. On a un si bémol et on a aussi un fa dièse, hein. Alors on pourrait penser que l'on est en sol mineur. Car vous avez effectivement dans cette tonalité mineure un si bémol et un fa dièse. Et pourtant, la sonorité est plutôt majeure. Donc là, en fait, on peut dire que l'on est en si bémol majeur, hein, puisque on termine sur un si bémol, le si bémol est une note fréquente, la sonorité de la mélodie est majeure, et le fa dièse, et ben, faut tout simplement le considérer comme une petite altération accidentelle pour colorer la ligne mélodique. Tout simplement. Donc, très souvent, des fois, une note est utilisée comme ça, un chromatisme ascendant ou descendant, donc dans ce cas-là avec un bémol plus généralement. Et qui montre simplement que l'on veut donner une couleur particulière à la ligne mélodique, mais que cela n'est pas une note empruntée véritablement à une gamme majeure ou une gamme mineure. Donc ici, on est en si bémol majeur.
Nous avons donc défini les accords de 3 sons, vous vous souvenez de Do majeur, Do mi sol, avec une fondamentale, une tierce et une quinte. Nous avons défini Do mineur, avec une fondamentale, une tierce mineure et une quinte. On peut, en diminuant maintenant la quinte, obtenir Do diminué, fondamentale Do, mi bémol, tierce mineure et sol bémol, quinte bémol. Et on joue en accord majeur quand on augmente la quinte, Do, Mi, Sol dièse, on obtient Do augmenté ou Do plus, comme vous le voyez à l'écran. Hein. Donc voilà, deux nouveaux accords de 3 sons. Hein. Alors passons maintenant aux accords de 4 sons qu'on appelle accords septième. Alors on reprend par exemple l'accord de Do majeur et on rajoute un Si. Une note qui se trouve, hein, vous voyez, on empile les notes de tierce en tierce et on obtient un accord qu'on appellera Do septième majeur parce qu'on a rajouté un Si qui, comme vous le savez, est la septième majeure de Do. Donc Do septième majeur ou Do majeur 7 en anglais. Hein. Si l'on descend cette septième pour jouer un Si bémol, c'est-à-dire une septième, on obtiendra Do septième. On peut descendre la tierce pour obtenir Do mineur 7, donc tierce mineure. On peut descendre la quinte pour obtenir Sol bémol, Do mineur 7, quinte bémol. Et on peut encore à ce moment-là descendre la septième pour descendre vers le La en fait, ou le Si double bémol, pour obtenir l'accord de septième diminué. Hein. Alors ces accords, de la même façon que pour les accords de 3 sons, on peut les renverser. Donc reprenons l'accord Do 7, qui est le plus utilisé. On peut donc le jouer en commençant avec le Mi à la basse, donc en basculant le Do à l'aigu, comme ceci. On appellera cet accord le premier renversement. On peut mettre le Sol à la basse. Deuxième renversement. Troisième renversement, cette fois-ci, avec la septième à la basse. Voilà, même principe, renverser les accords. Hein. Alors, une particularité quand même, l'accord de septième diminué, qu'on a vu, hein, a une certaine particularité. Regardez, si vous voyez la composition de ces 4 notes et l'intervalle qui sépare chacune de ces 4 notes, on a toujours le même intervalle. Entre Do et Mi bémol, on a un ton et demi, 3 demi-tons. Entre Mi bémol et Sol bémol, on a 3 demi-tons. Et entre Sol bémol et La, on a 3 demi-tons. Donc vous voyez que cet accord est parfaitement symétrique. Hein. La composition de ces 4 notes est basée sur un empilement de tierces mineures. Hein. Donc si on renverse cet accord, on obtiendra le même accord en fait. La même sonorité, c'est ce qui caractérise l'accord de septième diminué. La notion de mode n'est pas évidente à expliquer. Hein. Alors revenons sur la gamme de Do majeur. Sa couleur est évidemment majeure, vous le savez, puisque vous avez une tierce majeure, Mi la tierce majeure de Do, et on obtient une succession d'intervalles que vous connaissez maintenant. Hein. Donc on a déjà un peu parlé des modes en définissant la gamme La mineur naturelle. On a joué les mêmes notes de Do majeur en commençant par la note La, comme ceci. Et là, vous voyez qu'on a une coloration mineure. Pourquoi? Parce que La est devenue notre nouvelle tonique, en fait, et on a un Do qui, par rapport à La, est une tierce mineure, hein, comme vous le voyez à l'écran. Hein. Donc on a une tierce mineure, on a une quinte, on a une sixte mineure, on a une septième mineure, et on a une seconde. Donc voilà la structure de cette nouvelle gamme, que nous allons appeler maintenant mode, et qui sonne comme ceci. Hein. Donc c'est ça qui est très important et qui va définir la couleur de ce mode. Hein. Continuons, prolongeons ce travail en jouant les 7 notes de la gamme de Do majeur en commençant par la note Mi. Vous voyez qu'on obtient une couleur qui est cette fois-ci mineure, hein, et qui est une couleur un peu hispanisante, orientale. Hein. Donc vous voyez à l'écran les 7 notes. Et vous voyez la structure de ce nouveau mode. Vous avez un Sol qui est donc une tierce mineure. Vous avez un Fa qui est une seconde mineure et qui va donner cette coloration hispanisante. Vous avez une quarte, une quinte, une sixte mineure, une septième mineure. Et on appelle ce mode le mode phrygien. Donc voilà comment on définit finalement avec les mêmes notes, mais en commençant par une note différente, des différents modes, hein. Donc vous avez Do majeur qu'on appelle Do ionien,
Si l'on commence par Ré, on aura une autre structure que vous voyez apparaître à l'écran et on appellera ce mode un Ré dorien. Il aura une coloration mineure également, mais moins hispanisante que le mode phrygien que l'on a vu. Si vous commencez cette gamme majeure par la note Fa, vous obtiendrez un mode majeur avec une tierce majeure, mais avec une quarte augmentée qui va donner une coloration très moderne à ce mode, etc. etc. Donc vous voyez maintenant à l'écran la structure des autres modes, et j'espère que vous avez compris. Donc un mode est une autre façon de jouer la gamme majeure. Il a donc une autre couleur puisque la structure qui le compose est différente de la structure de la gamme majeure. Et on associe toujours un mode par rapport à un accord. Alors je m'explique, si l'on joue Do majeur, on va jouer le mode Do ionien, donc la gamme majeure correspondante. Si l'on joue par exemple Mi phrygien, on peut jouer en parallèle l'accord Mi mineur. D'accord ? Et si je fais entendre donc cet accord de Mi mineur, on sent bien cette coloration mineure hispanisante de ce mode phrygien, etc. Donc j'espère que tout cela est clair et que vous avez bien compris la notion et la différence entre gamme et mode. Il faut parler maintenant de la relation entre les gammes et les accords, une notion très importante, notamment pour le compositeur. Alors reprenons la gamme de Do majeur, et c'est cette note que nous allons numéroter en degrés, en chiffres romains de 1 à 7, comme vous le voyez à l'écran. Et construisons maintenant des accords de 3 sons à partir de chacune de ces notes, en utilisant évidemment que des notes de la gamme de Do majeur. Donc sur la première note, premier degré, on obtiendra Do mi sol. Vous savez que c'est Do majeur. Sur le deuxième degré, on va obtenir Ré Fa La, et vous savez que c'est Ré mineur. Sur le troisième degré, on va obtenir Mi Sol Si, Mi mineur. Quatrième degré, Fa La Do, Fa majeur. Cinquième degré, Sol majeur. Sixième degré, La Do Mi, La mineur. Et un accord diminué, Si, Ré Fa, sur le septième degré. Donc vous voyez, on a construit simplement cet accord sur la gamme majeur de Do, évidemment, utilisant les notes de la gamme de Do majeur. Donc, retenez bien que vous trouverez toujours, quelle que soit la gamme majeure, si vous commencez par travailler les accords de 3 sons de Sol, de Ré, de Fa, de Si bémol, vous aurez toujours un accord majeur sur le degré 1, sur le degré 4 et sur le degré 5. Vous aurez toujours un accord mineur sur le degré 2, sur le degré 3 et sur le degré 6. Et vous aurez toujours cet accord diminué sur le degré 7. Donc prenons l'exemple avec Sol majeur par exemple. Vous avez des degrés majeurs sur les degrés, donc des accords majeurs sur les degrés 1, Sol, 4, Do majeur et Ré majeur sur le degré 5, accords majeurs donc. Vous avez des accords mineurs sur les degrés 2, 3 et 6, donc La mineur, Si mineur et Mi mineur. Et vous aurez enfin un accord diminué sur le degré 7, c'est-à-dire Fa dièse diminué. Donc c'est une chose qu'il faut absolument apprendre par cœur. Et je vous conseille donc de remplir le tableau que vous voyez à l'écran, qui consiste à écrire tous les accords de la plupart des tonalités des gammes majeures. Alors maintenant, parlons d'une notion très importante, qui est la notion de cadence. C'est-à-dire qu'évidemment, dans la musique occidentale, ces accords ne s'enchaînent pas par hasard. On a tendance à enchaîner un accord avec un autre accord de façon assez systématique, même si évidemment le rôle du compositeur est de varier évidemment ces notions purement théoriques. Donc par exemple, première cadence, première progression harmonique, c'est de passer d'un premier degré à un cinquième degré pour revenir sur un premier degré. Donc en Do, ça nous donne Do, Sol, Do. On peut avoir une deuxième cadence, qui est par exemple 1, 4, 5, qui est une cadence de blues, par exemple. Premier degré, Do. Quatrième degré, Fa. Cinquième degré, Sol. Pour revenir sur le premier degré, Do. 1, 4, 5, qu'on utilise très très souvent dans le blues avec des accords septième, Do 7, Fa 7 et Sol 7. Donc voilà, vous avez aussi des cadences qui ne commencent pas forcément par le premier degré. Par exemple, 1, 2, Ré mineur, qui va vers un cinquième degré, pour revenir sur un premier degré. Ré mineur, Sol, Do. Voilà, donc on a construit
des accords de trois sons, on a défini des notions des degrés sur chacune des notes d'une gamme majeure, et on a défini des cadences ou des progressions harmoniques. Alors encore une fois, ces cadences, ces enchaînements d'accords sont très souvent utilisés, mais évidemment, libre au compositeur de fonctionner différemment et d'enchaîner tout type d'accords selon son choix personnel, bien sûr.